Comme cher Mohsini, nous nous trouvons dans un village entre Tétouan et l'Houssima. Je vous assure que nous sommes outrés et scandalisés par ce qui se passe. Nous sommes venus visiter les tombes, regarder, observer avec nous. Alors, déjà, on voit des déchets, des bouteilles, des excréments, du caca, hein, soyons directs. Osons dire le scandale. Alors, des cacas de l'Bahayim et des cacas des humains. Donc on a tout, nous, ici. Vous les verrez plus tard en photo. Inch'Allah, hachakoum. Hacha. Voilà. Voilà où sont enterrés nos défunts. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas être enterrée dans ceci. Alors, nous, alhamdoulilah, on a encore Foutounia. À nous de nous battre pour que nous puissions respecter nos défunts. Nous vous proposons une sadaqa jariya fi sabilillah pour nos frères enterrés ici face à tout ce que vous pouvez constater ici. Une sadaqa jariya pour bâtir inshallah wahed al-sour, un mur et une porte donc un mur qui va de là là-bas, donc quasi tout le cimetière au bas de la colline. Voilà, en espérant que les jeunes respecteront nos cimetières. Bah, je voulais dire, j'étais assez épaté, sensibilisé par rapport à l'association Humanity, que je ne m'attendais pas. J'étais seul face à ces histoires de problématiques de nos cimetières. Et je voudrais en profiter vraiment, vraiment, vraiment. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, de les suivre. Je les ai vus, ils sont formidables, aidez-les, parce que c'est une association que j'ai vue sur le terrain, elle agit claire, nette, il n'y a pas de magouille, il n'y a rien, tout est clair. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc l'association Humanity, comme je l'ai dit, à Tanger, la seule association pour qui, que je voudrais remercier aussi, c'est l'association Michel, Tanger Senia, qui sont très dévouables, qui n'ont aucun budget, parce que eux, ils sont neutres, ils trahissent au service d'Allah. Voilà, donc au service de la population, des citoyens marocains, ils n'ont aucun subside et ils ne suivent aucun parti. Donc voilà, vraiment, 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 Belgique, Humanity, c'est magnifique parce qu'ils ont comme qui sont lancés dedans. Et chapeau pour une jeunesse de la 3e, 4e génération qui veut encore se battre pour les cimetières au Maroc. Ce que certains citoyens marocains vivant au Maroc doivent faire, il faut vous réveiller. C'est pas d'aller voir, de courir pour aller voir vos équipes, là, Intihad, Tanger, Louidad et tout ce qui sont ici. Vous êtes à 50 000, 100 000 pour aller supporter des joueurs qui courent après un ballon, qui payent de l'argent, alors que vos parents, vos grands-parents, nos ancêtres sont dans les cimetières, poubelles, on jette de la poubelle, on s'occupe même pas d'eux, et vous allez tous les vendredis pour aller pleurer, pour en sortir comme si de rien n'était. Il est grand temps de vous réveiller et d'agir, de travailler pour notre pays, pour la patrie, et pour qu'on puisse avancer. Nous avons nettoyé du mieux possible les quelques tombes comme vous pouvez le voir. Il commence à faire nuit, un long chemin nous attend inchallah vers notre domicile, donc nous allons devoir quitter le cimetière. Voilà, donc nous avons fait le maximum et nous reviendrons inchallah bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikoum, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.